Et coucou les amis, allez, un petit tirage avec les énergies de ce portail. Il arrive en fin de journée, mais c'est pas grave parce que ce portail, ce qu'il vous emmène, c'est pas comment dire, c'est pas que pour aujourd'hui. On voit que pour certains d'entre vous, il y a eu beaucoup de mental ici. On s'est vraiment beaucoup, beaucoup pris la tête par rapport à une situation, par rapport à un couple, par rapport à une vie sentimentale. En fait, on voit ici que vous avez envie, vous êtes beaucoup dans l'observation. Peut-être que vous espionnez un peu la personne de votre cœur. Peut-être que vous attendez un message de sa part. Ou vous avez peut-être envie d'envoyer un message, vous tourmentez. Est-ce que je l'envoie ce message ou pas? Ce message peut s'adresser à des gens du signe, des signes d'air. Verseau, balance, gémeaux. J'ai eu un trou. Donc, pas que, d'accord? En tout cas, si vous êtes un de ces signes-là, alors, ou vous avez envie d'envoyer un message à cette personne, à la personne de votre cœur qui est un signe d'air. Moi, ici, ce que je vois, c'est quelqu'un qui a envie de reprendre son pouvoir, quelqu'un qui se tourmente par rapport à ce couple, quelqu'un qui a envie d'envoyer ce message, quelqu'un qui a envie de reconquérir cette personne. Je vois quelqu'un ici qui comprend pas. Qui a envie de passer à l'action, qui a envie voilà, de vraiment prendre cette décision. On a la mort ici. Il y a quelque chose qui va se terminer. Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour ton autre? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui a frappé. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Peut-être aujourd'hui d'ailleurs. On est dans le travail ici, on est dans le travail de soi, on est dans l'accomplissement de soi. On est ici dans quelque chose de très différent. C'est-à-dire que on a envie que ce, peut-être pour certains qui sont en lien d'âme, c'est possible qu'on ait envie que ce parcours s'achève. On a beaucoup travaillé sur soi. On sait que l'autre a aussi beaucoup travaillé sur lui ou sur elle et on a envie que ça s'arrête, on a envie de mettre fin à ce travail intensif et épuisant, épuisant aussi, d'accord? On voit ici, on a le diable. Le diable ici peut nous parler d'une addiction par rapport à ce couple. Cette personne, vous n'arrivez peut-être pas à vous l'enlever de la tête. Vous avez la tentation de vouloir aller vers cette personne. Je ne sais pas si vous y voyez bien, en fait. Ça me semble léger, la lumière. Ouais, bof. Et vous êtes addict de... Il y a peut-être trop de dépendance affective aussi. Mais vous êtes peut-être aussi pas libre de réaliser ce couple. C'est peut-être ça aussi qui vous prend la tête ici. Non, il y en a trop. On a le jugement. En fait, ici, ce qui vous tourmente, c'est parce que vous savez que la personne de qui on parle, clairement, on parle d'un couple. La personne de qui on parle, c'est la personne qui vous est destinée. D'accord? C'est la personne qui vous est destinée. Vous vous sentez lié à cette personne et même si ça vous déplaît, peut-être que le diable ici, vous êtes peut-être même en colère d'avoir ce sentiment, mais vous ne le comprenez peut-être même pas des fois. Et des fois, vous êtes partagé entre oui, j'ai envie d'envoyer ce message, cette personne me manque, il ou elle me manque. Et après, on a ce diable qui vient un peu polluer les énergies en disant « Hop, 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 qu'est-ce que tu vas faire ?»
Alors, le jugement, lui, nous parle d'un éveil, hein, d'un éveil spirituel, d'un éveil lumineux, un éveil vers la lumière. On sort de l'ombre pour aller vers la lumière. C'est exactement ça, d'accord? C'est une réincarnation, quelque part, il y en a trop. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Sur ce roi d'épée, là, qu'est-ce que j'ai? L'étoile. L'étoile, on a, je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, rien que là, j'ai trois arcanes majeures. Le diable, le jugement, l'étoile. Tous les espoirs sont permis, les amis. Pourquoi? Parce que vous êtes déterminés. Ce roi d'épée, il est déterminé. Lui, il rigole pas. Lui, il prend une décision, il s'y tient. Il passe pas par quatre chemins. Et là, j'ai l'impression que vous avez envie d'y aller. Vous avez envie d'y aller. Ah ah, peut-être des retours affectifs. Ouais, ici, on a la mort. On avait la mort. Et là, en dessous, on a le 10 d'épée. Trop de souffrance. Vous savez ce qu'on me dit là? On me parle de mort dans l'âme. Vous êtes la mort dans l'âme. Il vous manque une partie de vous. Il vous manque une partie de vous pour vous épanouir. On est à la fin de quelque chose là. Il y a quelque chose qui se termine. On est sur la mort et sur le 10. Qu'est-ce que j'ai? On a trop. Qu'est-ce que j'ai sur le jugement, là? En fait, le jugement, il est là pour vous dire de quitter ce qui ne vous convient plus. Non seulement on a la mort et le 10, ici, et juste après le 10, on a le départ. Il y a quelque chose, il y a une décision que vous devez prendre. Peut-être une triangulaire, ici, avec le diable. J'ai l'impression ici que ce matin, il y en a qui se sont réveillés avec une envie soudaine d'envoyer un message à la personne de leur cœur. Ouais. On est à la fin. Le monde. Dernière carte du tarot. Vous êtes arrivé à tout ce que vous avez pu. Vous êtes, si vous êtes en triangulaire, la personne avec qui vous vivez, vous, ou que votre autre, avec laquelle votre autre vie, ça arrive à sa fin. Ça se termine. Il y a eu la trahison, il y a eu la souffrance. Il est temps de terminer tout ça. Le travail est fini. Vous avez fait tout ce que vous avez pu. Vous avez tout donné. Maintenant, il est temps de donner à votre âme ce qu'elle réclame. On a le hiérophante ici. Lui, il est là pour célébrer un engagement. Lui, il est là pour vous accorder toute son aide. C'est votre guide. Il est là pour vous guider. Il est là pour vous emmener vraiment vers ce que vous voulez. Ouais, c'est fini les disputes, l'isolement, c'est fini. Vous, vous avez envie de vous réaliser au niveau sentimental. Ouais. Dispute à cause triangulaire. Hein. C'est la bataille, hein. Bataille. Mais vous avez la force. On vous dit ici, vous avez peur de partir sans rien, mais non. Parce que vous n'allez pas partir sans rien, vous allez trouver l'amour, l'amour pur. Regardez-moi ça, 9 de coupe. Vous allez vers vos rêves, là. Bon, les amis, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce que je fais? Je vous le recouvre avec un oracle sentimental. Allez, je fais pas ça d'habitude, mais celle-là, je la mets là parce que vous la voyez pas en dessous. Allez. Ça va être un peu longue la vidéo, mais c'est pas grave. Pour ceux qui n'ont pas la fin, je vous invite à aller sur YouTube, il y aura la fin. Sur la chaîne YouTube. Sur le mental, ici, on a la progression. On a la progression parce que ce que je vous disais, vous êtes levé ce matin avec... c'est bon, j'en peux plus. J'en peux plus, j'ai envie. Sur le 2 de coupe, donc le couple ici, on a l'évolution. On a la progression et l'évolution, les gars. Sur le page d'épée, ici où je vous dis, on a envie d'envoyer des messages, on a on observe, on apprend, on a appris des choses, on a appris le contrat. On est sur des liens d'âme, là, les amis.
Ce roi d'épée, ici, si c'est vous, on me dit que vous êtes dans la tristesse. Ou si c'est votre autre, pareil. Et dans la tristesse. Beaucoup de tristesse. Sur la mort, qu'est-ce que j'ai sur mon compte? Accueille la fin de ce qui doit se terminer. On est dans l'accueil. On te dit accueil. Ce qui est fini est fini. Sur ce 8, qu'est-ce que j'ai? T'as eu l'impression de travailler dans le vent, t'as eu l'impression de travailler dur sur toi, que ce soit qu'un fantasme. Mais non, ce n'est pas un fantasme. Sur le diable, ici, on te dit d'écouter ton intuition. N'écoute pas le diable, écoute ton intuition ici. On a la divine guidance, c'est ta guidance interne. N'écoute pas le diable qui est là à chuchoter sur ton épaule. Alors ce message, je vous l'adresse à vous, mais ça peut être pour votre autre, hein, d'accord? Sur le jugement, ben on a la manifestation, logique, logique. On a la manifestation parce que c'est temps, il est temps, les choses se manifestent. C'est aujourd'hui, les amis. Ce tirage, pour ceux qui vont l'avoir, vous l'aurez tard. Mais ceux qui vont l'avoir, c'est le moment d'envoyer un message. C'est là, c'est maintenant. Sur l'étoile, par rapport à la distance. On vous dit de garder espoir par rapport à la distance qui est entre vous. Sur le 10 d'épée. Le partage, ici, ce 10 d'épée, c'est parce qu'en fait, il y a eu un partage. Alors, vous l'avez vécu comme une trahison. Alors, peut-être, alors cette carte, d'habitude, je ne la vois pas comme ça, mais là, on me dit que c'est ça. Peut-être cette personne, elle est en souffrance. Ou vous, ou votre autre, est en souffrance parce qu'elle a peut-être eu l'impression de vous partager avec quelqu'un. Donc, si c'est votre autre, rassurez-le en lui expliquant que non. Que votre cœur est toujours à lui ou à elle. Même pour ceux qui sont en couple. Parce que ce lien, de toute manière, voilà, il est ce qu'il est et il restera ce qu'il est. D'accord ? Mais j'ai l'impression qu'il y a de la souffrance par rapport à de la jalousie ici. Sur le 8 de coupe ici, on vous dit toujours pareil. Soyez, et vous avez vu, ici pour la mort, on avait l'accueil. Accueille la mort de quelque chose. Et là, pour le départ, on te dit, sois dans l'acceptation. J'ai quand même l'impression, les amis, que c'est plus par rapport à votre autre. Hein. Je pense que cette vidéo, elle s'adresse plus à votre autre parce que souvent, j'ai plus d'énergie de chaser qui regarde les vidéos que de runner, mais il y a encore que j'ai des runners aussi. On a sur le monde la transformation. Merveilleux, le monde, c'est la transcendance et là, on a la transformation. Il y a tout qui est en train de bouger, les amis. Et sur le hiérophante, oh là 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 là, c'est magnifique. Regardons ça. L'hiérophante, celui qui vous guide, d'accord? Et on vous parle ici de lumière. Suivez la lumière de votre cœur, les amis. Suivez la lumière de votre cœur. J'ai quoi en dos de deck? Qu'est-ce que j'ai? Communication, je vous l'ai dit ou pas? Voilà, communication, regarde bien. Ça va t'apporter de la stabilité, ou à votre autre, toujours pareil, et une expansion sur le couple. Délivrance, force et rééquilibrage. Amour infini, protection. On y va ou quoi? Alors, allez, ce portail, il est juste magique. Ah, vos messages, les gars, pour les runners, là. Hein? Un, à bon entendeur, les amis. Hein? Un petit message. On ne sait jamais. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et pour les chasers, ça peut être vous aussi, hein, bien sûr. Mais parce qu'on est beaucoup à être en switch aussi. Donc, voilà. Vous prenez ce qui résonne en vous, les amis. D'accord? Juste ça. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit de tirer un autre message, mais je ne sais pas du tout quoi. Je n'ai pas prévu. Alors, laissez-moi le temps de trouver. Qu'est-ce que j'ai ici? C'est pas comme si on avait tout rangé. Mmh.
Peut-être celui-ci. Allez. Allons-y pour celui-ci, une petite arcane majeure. On tombe les masques une fois pour toutes et on parle avec son cœur. Le chariot, on accélère les choses, ça prend de la vitesse, c'est la réussite, c'est le succès. Si vous tombez vos masques, à ceux qui vont envoyer le message, enlevez vos masques avant de venir communiquer parce qu'il y aura la réussite. N'ayez pas peur de vous faire envoyer bouler, les amis. Je vous fais de gros bisous et à très très vite.